Chérie, le lavage au sel n'a rien de dangereux. Absolument rien. Prends le sel avec lequel tu prépares la nourriture dans ta cuisine. Parce que souvent, vous ne voulez même pas acheter le sel rouge, le sel vert. Prends seulement le sel là. Tu mets trois pincées de ce sel dans l'eau. Tu te laves d'abord avec le savon normal, ton gel de douche. Tu enlèves toute la saleté sur toi. Tu te rinces. Cette eau que tu as mis là, 3 litres d'eau avec 3 pincées de sel. Tu lis le psaume 35, le psaume 91 et tu demandes ce que tu veux. Tu fais ça tous les jours, matin et soir. Tu vas voir comment tu vas mieux dormir. Tu vas voir comment dans la journée, ce qu'on t'a promis là, on va t'appeler, on va te donner. Les petits dépannages là, ça va commencer à venir. Même les gros contrats vont donner. Ce n'est pas dangereux. Tu prends le sel, tu mets dans la nourriture, tu manges. Pourquoi on te dit de te laver avec le sel, tu dis que c'est dangereux? C'est comme ça que vous faites vous bloquer encore.